Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Montez dans le TARDIS. Installez-vous bien. Accrochez votre ceinture. Et baissez la tablette devant vous parce qu'il paraît que ça fait moins mal quand on s'écrase. Car aujourd'hui, nous partons dans le passé à la Geek Touch. Non ! Je démarre le TARDIS. Attention, accrochez-vous. On y va ! Alors déjà là, c'est dégueu. Mais quand tu fais ça... Putain! Les gens sont des porcs! Aujourd'hui, à 10h30, à Japan Touch Lyon, conférence reboot avec 3 épisodes diffusés, puis ensuite questions-réponses, et la dédicace, c'est à 11h45. Après, l'après-midi, il y a une bataille dessinée. Voilà, à tout à l'heure. Et après, je me suis rendu compte que c'était ma bite. Une autre blague? Une fois, avec mon chat, on a pris le train. Ça me fait peur, parce que je sens qu'ils vont se frotter et éjaculer dans leur costume. C'est toujours comme ça. Je vends des bandes dessinées. Tu veux où la signature? Ah, là. Là où ça fait plus mal. Voilà. L'année dernière à Lyon, on avait filmé un reportage avec Poulpe qui faisait une cartonnade avec les cartonnades. Et là, cette année, Poulpe n'est pas là, mais moi j'ai décidé de participer. Ce soir à 17h, Japan Touch, je vais me faire démonter la gueule. Donc j'ai ce soir cartonnade. Mon Poulpe avait une armure qu'on avait fabriquée par les gens de Canal. Là c'est très gentiment quelqu'un des cartonnades Bess qui m'a fabriqué mon armure. Bon, on avait moins de temps. Ça va David, t'as pas trop peur? Non, pas pour le moment. Mais à un moment peut-être un peu, ouais. T'es conscient, tu vas te faire déglinguer? Ah oui, j'ai très conscient que je vais me faire déglinguer, ouais. Je le fais pour ça. Ah. On n'est pas BDSM pour rien. Voilà, à 17h, je vais avoir mal, sûrement. Bon, viens de me faire embaucher pour être cadreur aux cartonnades. Ce qu'il y a de bien, c'est quand tu viens à une convention, je t'embauche pour faire la caisse de mes BD et après je dis lui il est cadreur et donc tu filmes. Potentiellement, je vais me faire déglinguer parce que j'ai pas d'armure moi, juste une petite caméra. Du parking de Eurexpo à Lyon. Trois ouverts parking. Ah, c'est béton ou pas? Je sais pas.
Il y a des portails géants qui nous bloquent la sortie. On a fait 3 sorties et on est bloqué à l'intérieur de Eurexpo. Bio propose de prendre la voie des bus, des trams. Il y a un numéro écrit sur le portail à appeler pour qu'ils viennent ouvrir le portail. Il essaye d'ouvrir le cadenas avec ses mains. Mais yo. Mais yo, mais qu'est-ce que tu fais? Oui. Oui. C'est sympa. Bonsoir. Ouais, c'est bon. Ils arrivent les autres aussi. Ils sont derrière. Ouais, ils sont derrière. Ils vont arriver ouais. dans 2 minutes. Et il faut toujours prendre sortie exposant. Libéré, délivré. On va pouvoir aller voir les prostituées. Je pense que les gens vont rêver un truc et notre soirée va être beaucoup moins folle. Il y a sûrement pas une pute là-dedans. Ouais, c'est pas vraiment une soirée pute. Hein. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos! Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.